Il est écrit. Et te pipiria, aurida te prauna tietua, et parauf aurua hia maie et vargo tietua. Les saintes écritures, ce sont des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez cela? Que pouvons-nous dire pour ce livre? Est-ce qu'il est important pour nous de savoir l'importance, enfin, est-ce qu'il est important pour nous de connaître les vérités qui s'y trouvent? Nous allons dire que la Bible, c'est le livre qui nous convient à cette époque où nous sommes. C'est un livre qui est adressé à toutes les nations. C'est un livre qui a été traduit en plusieurs langues. Mais c'est un livre qui est adressé à chaque individu dans ce monde. Mais la question que nous pouvons nous poser, pourquoi faut-il que ce soit là le premier sujet de notre campagne? Pourquoi n'avons-nous pas commencé par un sujet qui vous intéresse, que vous attendez peut-être tous? Lorsque nous bâtissons une maison, quelle est la première chose que nous réalisons? Eh bien, c'est d'abord les fondements de cette maison. Et sur ces fondations bien solides, et nous avons l'assurance donc que lorsque nous allons construire notre maison sur ces fondations, eh bien, il y a un solide fondement. Et si ce soir vous deviez placer votre foi, ne bâtissez pas votre foi sur une personne. Et ne bâtissez pas votre foi sur des enseignements. Mais basez votre foi sur ce qui est écrit dans ce livre, dans la Bible. Et ces différentes campagnes d'évangélisation vont vous permettre de savoir où bâtir vraiment notre foi. Je voudrais vous dire ce soir, à partir de ce soir, jusqu'à la fin de cette campagne, nous ne sortirons pas des Saintes Écritures pour parler des sujets que nous avons annoncés. Parce que les paroles qui ont été écrites dans ce livre, c'est la voix même de Dieu qui est adressée à chaque individu dans ce monde. Et donc, dans ces premières soirées de campagne,
Nous allons donc comprendre pourquoi certains sont devenus protestants, pourquoi d'autres catholiques, pourquoi d'autres mormons, pourquoi d'autres sont devenus adventistes. Il y a plusieurs religions dans ce monde. Mais ce que nous voulons savoir, qu'est-ce que Dieu désire pour nous pour que nous soyons sauvés? Nous vivons dans un monde où les gens ne donnent pas autant d'importance à la parole de Dieu. Lorsque nous retournons 40 à 50 ans en arrière, nous allons nous rendre compte que chaque famille, tous les jours, avait un moment de lecture de la parole de Dieu. Le père, la mère rassemblent leurs enfants dans l'étude et la lecture de la parole de Dieu. Que remarquons-nous aujourd'hui? L'homme n'organise plus ce genre de choses si importantes dans la vie. Il n'y a plus de temps pour rassembler les enfants pour leur faire lire la Bible. La raison pourquoi? Pourquoi les parents n'ont-ils plus le temps de rassembler les enfants pour lire la parole de Dieu? Parce que même les parents eux-mêmes ne sont plus intéressés à la lecture de la parole de Dieu. Voilà le problème aujourd'hui dans nos familles. Plus de temps pour lire la parole de Dieu. Rappelez-vous, ou alors mettez-vous en tête une personne qui habite Choco et qui doit travailler sur la ville. Il est clair qu'il va quitter Choco à 3h30 du matin pour aller vers Papeete à son travail. Et à son retour le soir, il est certain qu'il va arriver vers 19h ou 20h. Il est fatigué, il va se baigner, il va manger et il va se sentir s'endormir. Et ainsi est la vie de l'homme aujourd'hui. Le temps que l'homme doit accomplir, doit utiliser pour lire la parole de Dieu, aura été remplacé par un autre temps pour d'autres activités que le démon va mettre en place. Nous allons voir la télé. Autrefois, il n'y avait que deux chaînes dans la télé. Aujourd'hui, 24 heures sur 24, ça marche. Et beaucoup sont intéressés par les chaînes de télévision. À tel point qu'ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu. D'autres personnes utilisent ou font de ce livre un livre quelconque écrit dans le monde. Donc ce n'est pas si important que ça, il est comme n'importe quel livre dans le monde. Troisième difficulté, ce qui est encore plus malheureux. C'est que dans beaucoup de familles aujourd'hui, on ne trouve plus de Bible. Alors, je pose la question à Lucien, quel est l'état de la population Isamatei? Alors, il me répond, toutes les maisons ont chacune une Bible. Tout le monde lit la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans cette activité. Lorsqu'on regarde dans d'autres familles, ils ont leur télévision. Et il y a le câble.
Toutes sortes de choses qui peuvent le réjouir. Mais il n'a pas de Bible. La question qu'on peut se poser, mais quelle est la place de Dieu dans la vie de cet homme? C'est l'image même d'une personne qui est morte spirituellement, mais qui vit toujours matériellement. Et la remarque que je souhaitais vous faire ce soir, ça ne concerne pas seulement notre territoire, mais ça couvre le monde entier. Savez-vous qu'il y a des personnes qui n'ont jamais encore ouvert la Bible pour lire? Qui ne savent même pas ranger les livres de la Bible. C'est malheureux. Nous nous efforçons dans notre travail physique. Et nous y mettons tout le temps qu'il faut. Mais nous ne mettons pas en valeur la parole de Dieu et surtout le salut que nous obtenons par Jésus-Christ. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus pense de ces personnes qui vivent ainsi aujourd'hui? Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et en langue française, la lecture est compréhensible. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce que vous cherchez dans cette vie, eh bien, vous sera accordé. Parce que pour Jésus, ce qui est important pour l'homme, c'est d'être assuré de la vie éternelle. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, la Bible nous parle de trois choses. Et aucun autre livre ne peut parler de cela. Il nous indiquera ce qui s'est passé il y a longtemps déjà. Depuis la création jusqu'à notre époque, tout a été écrit. Les choses ont été racontées dans l'Ancien Testament. La Bible parle également de ce qui va se passer aujourd'hui. Le lecteur de la Bible n'est pas surpris par rapport aux médias qui nous annoncent des choses. Parce que la parole de Dieu a déjà annoncé ce qui doit arriver aujourd'hui. Le troisième sujet que la parole de Dieu nous révèle, c'est ce qui va arriver dans les temps futurs. Tout a été révélé dans la parole de Dieu. L'avenir de notre planète, chers amis. La parole de Dieu a déjà annoncé sa fin. La vie de chaque individu pour le futur. Tout a été écrit dans la parole de Dieu. Ne veux-tu pas connaître cela? Alors, je vous encourage à étudier et à lire, plonger vos regards dans la parole de Dieu. Chers amis, vous devez savoir que ce livre, qu'est la Bible, c'est un livre complètement différent par rapport aux autres livres qui existent. L'étude de la parole de Dieu doit conduire chaque lecteur et chaque personne à changer sa façon de vivre. Non pas changer sa vie devant la face de Dieu, mais respecter la volonté de Dieu.
Et ce livre a été traduit dans toutes les langues qui correspondent à tous les pays qui se situent autour de cette planète. Aujourd'hui, on peut compter 2700 langues pour la Bible, pour la traduction de la Bible. Et la Bible. Et la Bible même. Te putana ettei joten hän ei faite mä jätä toi te prauma. C'est le seul livre qui peut nous dire la vérité. C'est pourquoi c'est nos réunions que nous commençons déjà ce soir sont importantes. Parce que c'est la parole de Dieu qui va évaluer notre foi. Ce sont ces études-là aussi qui vont nous montrer si nous aimons véritablement notre Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu peut nous enseigner. Un exemple pour parler de la transformation qui peut s'opérer dans la vie de quelqu'un. Et un homme qui s'appelait Saul vivait dans, en tant qu'officier de l'armée romaine. Et cet homme aimait bien persécuter les chrétiens de son époque. Et un jour, Jésus n'en pouvait plus par rapport à ce qu'il faisait. Et Jésus a cherché tous les moyens pour rencontrer cet homme. Et vous connaissez l'histoire. Son nom a été transformé d'abord. Saul est devenu Paul. Il était officier dans l'armée romaine autrefois. Maintenant, il est devenu un humble serviteur de Dieu. Et Paul dit, je n'ai pas point honte de l'évangile. Même si je ne porte plus tous ces galons sur mes épaules. Je sais bien que ces paroles, ce sont des paroles qui donnent la vie aux Grecs et aux Juifs et même aux habitants de Matthieu. Voilà ce que Paul déclare. Alors que tous les autres livres que nous lisons peut-être, même si l'auteur est renommé, leurs écrits ne peuvent pas transformer la vie d'une personne. Seule la parole de Dieu est capable de faire cela. Parce que Paul déclare que c'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Une question que nous pouvons poser. D'où vient la Bible? Comment cette Bible a-t-elle été écrite? Quel bienfait celui qui étudie et celui qui garde peut obtenir? Est-ce que c'est important de lire la parole de Dieu? C'est bien de lire la parole de Dieu, c'est encore mieux si on mettait en pratique tout ce que nous lisons. Vous savez, chers amis, si l'homme n'avait point péché, Dieu ne ferait pas non plus, n'utilisera pas sa puissance pour que sa parole nous parvienne aujourd'hui. Pourquoi? La parole de Dieu dit qu'après que Adam et Ève aient été créés, dans Genèse chapitre 2, verset 8, Dieu venait leur rendre visite à chaque coucher de soleil. Il leur parle bouche à bouche. Et ils se regardent face à face. Parce que le péché n'avait pas encore entaché la vie d'Adam et Ève. Mais lorsque le péché est entré, Dieu a détourné sa face par rapport à Adam et Ève. Pourquoi?
cette vie de justice qu'ils vivaient au départ, eh bien, a été entachée par le mal qu'ils ont commis. Pour nous ce soir, qu'est-ce que la parole de Dieu nous annonce? Voici. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont des paroles malheureuses, parce que nous sommes là à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Même si nous prions Dieu tout le temps pour qu'il nous accorde ce que nous voulons. Et il nous dit ici, il ne peut pas nous entendre, nous écouter. Parce qu'il nous a caché sa face. Notre vie est souillée par le péché. Lorsque l'homme est tombé dans le péché. Parce que l'homme a transgressé le commandement que Dieu lui a donné. Dieu ne pouvait plus descendre haut des cieux dans le jardin d'Éden pour rendre visite à Adam et Ève. Le péché, chers amis, c'est l'arme que Satan a utilisée pour nous détacher de Dieu. Nous comprenons, chers amis. Dieu ne veut pas se séparer de celui qu'il a créé. Mais parce que c'est un Dieu saint, il n'a aucun rapport avec les souillures de ce monde. Alors Dieu s'est éloigné d'Adam et Ève. Mais Dieu veut faire de l'homme pécheur un homme juste dans sa vie. Et la Bible nous rappelle ces choses. Et les paroles que nous disons ce soir ont été écrites dans ce livre. C'est un livre intéressant à étudier, chers amis. Vous n'allez pas vous mettre en colère par rapport à tout ce qui a été écrit. Lorsque vous lisez les journaux, par exemple, chaque jour, vous ne voulez pas vous fâcher. Et lorsque vous lisez ce qui a été écrit, eh bien, ça vous énerve. Alors ne perdons pas trop notre temps à lire ces paroles. Mais passons plus de temps à lire la parole de Dieu. Parce qu'elle procure la joie. Elle procure la paix dans le cœur. Et elle va te révéler ce que Dieu désire pour toi. Dans d'autres livres, on ne peut pas remarquer ce genre de choses. Ainsi Dieu, à travers ses prophètes, a voulu transmettre son message à l'humanité. Alors nous revenons sur les questions posées tout à l'heure. D'où vient la Bible? Comment a-t-elle été écrite? Et quel bienfait peut celui qui lit peut obtenir? Voici ce que Paul écrit à son fils Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Voilà ce que Paul adresse comme message à son fils Timothée. Toute écriture inspirée de Dieu, qu'est-ce que cela veut bien dire?
Ce n'est pas l'homme qui a écrit tout seul. Et Dieu a utilisé son esprit pour inspirer l'auteur à écrire ce qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés par ce texte. Parce que ce sont des paroles qui viennent de loin, de très loin même. Dieu. Le Saint-Esprit, les serviteurs et même les apôtres, ils ont tous œuvré ensemble pour que ces paroles puissent voir le jour et que l'homme puisse connaître la volonté de Dieu. Il n'y a que deux esprits qui peuvent inspirer les personnes. La puissance du Saint-Esprit et la puissance du mauvais esprit. Et nous pouvons bien distinguer les deux choses, les deux inspirations. Ceci est inspiré par le Saint-Esprit, Et pendant toutes ces campagnes, nous allons voir qu'est-ce qui est du Saint-Esprit, qu'est-ce qui est du mauvais esprit. Le Saint-Esprit qui inspire les gens à écrire la volonté de Dieu. Le mauvais esprit va inspirer à prendre sa propre volonté. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ce soir? Premièrement, c'est bon pour instruire, pour enseigner. Donc c'est un livre d'enseignement. Celui qui veut apprendre des choses ne comprendra pas s'il ne lit pas. Ne nous contentons pas des enseignements d'autres personnes sans que soi-même nous n'ayons à étudier. Nous entendrons les enseignements qu'il dévoile. Mais lorsque nous rentrerons chez nous, nous allons ouvrir la parole de Dieu et examiner si ce qui a été annoncé, enseigné, correspond à ce qui est écrit. Je dois vous dire qu'on ne doit pas dire amen à tout ce qui nous est enseigné sans avoir à un moment donné examiner les Écritures. Donc, à travers la parole de Dieu, Dieu désire nous enseigner sa justice et sa vérité. Deuxièmement, c'est bon pour corriger. Corriger de quoi? À quel moment corrigeons-nous quelqu'un ou des nos enfants? Parce que cette personne a fait comme une faute, quelque chose qui n'était pas correct. Et Dieu nous regarde ainsi aujourd'hui. Il veut nous corriger par rapport aux fautes que nous commettons devant sa face. La correction, à un certain moment, c'est aussi l'accusation que nous pouvons porter sur quelqu'un qui commet le mal. Celui qui reçoit la correction qui vient du Seigneur, cela va l'aider à quitter le péché. Cela va l'aider à aimer Dieu davantage, maintenant. Cela va l'aider également à servir le Seigneur avec fidélité. La troisième pensée de Paul, il va nous convaincre du péché. La parole de Dieu va nous convaincre du péché. Le péché, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont un péché devant Dieu.
Ce n'est pas uniquement la transgression des 10 commandements de Dieu qui constitue le péché. Mais c'est lorsque l'homme fait ce que Dieu n'a jamais ordonné de faire, cela aussi est un péché. C'est comme ça que nous sommes. Nous voulons mettre de côté la volonté de Dieu. Et nous permettons que notre propre volonté voie le jour dans notre vie. En ignorant complètement si c'est bien ce que nous faisons ou c'est mauvais. La quatrième pensée, c'est que Paul veut nous dire que la parole de Dieu va nous instruire dans la justice. Chers amis, nous n'avons pas de justice personnelle. Notre justice, c'est la justice de Jésus-Christ. Il est descendu du ciel pour montrer à l'humanité entière la justice de Dieu. Il y a un outil que le constructeur de maison ne peut pas abandonner. C'est ce qu'on appelle le niveau. Quel est l'intérêt de cet outil? C'est de permettre de construire même si rien n'est juste. Aïta. Non. Le niveau va vous dire que eh bien, là vous avez commis une erreur dans votre construction. Donc il faut réajuster la construction par rapport à ce niveau. La parole de Dieu, chers amis, c'est le seul livre qui est donné à l'homme comme outil pour mesurer si son adoration est convenable. Dieu désire que l'humanité puisse l'adorer. L'adorer sur quelle volonté? Non pas sur notre volonté, parce que notre volonté est fausse. Mais nous devons adorer Dieu sur sa volonté. Y a-t-il une autre puissance dans la parole de Dieu telle que Paul l'avait décrite? Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors vous pouvez suivre la lecture sur l'écran. La parole de Dieu nous indique qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu qui est comparée à une épée à deux tranchants. Des deux côtés, c'est tranchant. Cette épée peut couper partout. La parole de Dieu, si nous la recevons dans notre vie, c'est elle qui va élaguer là où ça ne convient pas dans l'adoration. Et je dois vous dire que nos rencontres ne seront pas intéressantes, ou alors n'auront pas de valeur si nous ne croyons pas que la parole est capable de faire ce genre de choses. Il y a des personnes de mauvaise vie qui ont vécu dans la vie, qui ont été même chassées dans leur milieu de vie. Et lorsqu'ils ont eu l'occasion de lire la parole de Dieu, d'étudier cette parole dans leur vie, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas poursuivre leur vie dans ces conditions-là. Une transformation était nécessaire.
Ils ont été rejetés par des personnes autrefois. Aujourd'hui, en changeant de vie, ben, ils ont été appréciés par tous. Voici la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Qui change la vie de quelqu'un. Seule la personne qui accepte la parole de Dieu peut voir une transformation s'opérer. Je vous disais une chose ce soir. Dieu est tout puissant. Dieu est capable de recréer d'autres planètes au-dessus de nos têtes. Et puisqu'il est tout puissant. Il a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais Dieu est incapable de faire alors qu'il est tout puissant. Il ne peut pas venir briser votre liberté. La toute puissance de Dieu est affaiblie devant la décision de chaque individu. Tu décides de continuer ta vie ancienne dans le péché. Dieu respecte cette liberté de choix. Et si tu as décidé de changer ta façon d'être, alors Dieu va bénir cette décision-là. Je n'ai encore lu aucun verset dans la Bible où Dieu encourageait l'homme à faire encore plus. Mais la parole de Dieu est remplie de conseils de Dieu à faire quoi? À faire ce qui est bien. Israël, ton Dieu, l'Éternel, t'aime d'un amour éternel. Et je te conseille, Israël, de faire le bien. Pour que tu vives toi et ta postérité. Dieu ne dit pas, je mets devant toi uniquement le bien. Et Dieu dit à Israël, je mets devant toi le bien et le mal. Mais je ne t'encourage pas à faire le mal. Mais je t'exhorte à faire ce qui est bien. Premièrement, pour que tu vives toi, Israël. Et deuxièmement, pour que ta postérité après toi puisse vivre. Cher père, chère mère, ce soir. L'enseignement que tu dispenses à tes enfants que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas leur enseigner la parole de Dieu si toi-même tu es incapable d'aimer la parole de Dieu. Mais c'est une responsabilité qui te revient. Et la parole de Dieu nous encourage, chers amis, à enseigner ces choses à nos enfants. Et lorsqu'ils grandiront, ils n'oublieront pas ces enseignements. Et ils sauront qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et qui conduit tout événement sur la terre. 2 Pierre chapitre 1 verset 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et voici ce que l'apôtre Pierre nous assure au sujet de la parole de Dieu. Le prophète à son époque
L'apôtre à son époque aussi. Et chacun a écrit selon son époque ce que l'Esprit lui a inspiré de faire. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu depuis le premier livre jusqu'au dernier livre, nous ne rencontrerons pas un prophète qui écrit quelque chose qui va contre les déclarations d'un autre prophète. Est-ce que vous savez pourquoi il en est ainsi? Parce que c'est le même esprit qui a inspiré les prophètes de cette époque-là et les apôtres plus tard. Et le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs aujourd'hui, c'est le même esprit qui a inspiré ces prophètes-là et les apôtres. Ces réunions ne prendront pas de la valeur si nous n'ouvrons pas nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse entrer pour retirer tout ce qui peut entraver notre relation avec notre Dieu. Lorsque nous parlons de prophétie, quelle est la différence entre ce que l'homme prédit et ce que Dieu prédit? Lorsque nous voyons tout ce que les voyants sont capables de prédire, quel est l'esprit qui travaille en eux? Lorsque tous ces voyants prédisent ce qui va arriver dans le futur, et tous ces astrologues qui nous révèlent des choses étonnantes, quel est l'esprit qui les anime? Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui fait cela. Mais ce sont les âmes que le diable utilise pour encourager les gens à ne plus croire en Dieu, mais à croire en ces personnes-là. Un jour, une femme est venue me voir. Il était triste. Alors je lui ai dit, mais que se passe-t-il? Alors il me dit, ah, pasteur, mon mari a une nouvelle femme. Alors je lui ai dit, mais qui t'a révélé que ton mari a une nouvelle femme? Je suis allé voir une voyante qui m'a révélé que mon mari avait une femme nouvelle. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, ces voyants, peuvent apporter la joie dans vos cœurs pour vous révéler de telles choses? Et c'est exactement ce que le diable opère dans nos vies. Et il y en a beaucoup qui achètent tôt le matin la dépêche, non pas pour lire les nouvelles, mais pour consulter les prédictions. Et lorsqu'ils ont lu tout ce qui a été prédit pour eux, alors ils ont laissé leur dépêche. L'homme s'intéresse à tout ce que Satan peut mettre dans leur tête pour confirmer leur croyance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de ces personnes qui ont l'habitude de faire ces révélations-là? Lorsque vous lisez dans Deutéronome 18, versets 9 à 12, Dieu s'adresse à Israël. Il dit, lorsque tu entreras dans le pays dans lequel je te mettrai, ne suis pas les habitudes des habitants de ces villes que j'ai chassées hors du pays. Quelles sont ces mauvaises habitudes? Et donc Dieu parle de ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est de la voyance.
Ces choses-là, selon la parole de Dieu, sont des abominations devant l'Éternel. La puissance de la parole de Dieu ne peut pas se manifester sur celui qui a fermé définitivement son cœur. Celui qui ouvre son cœur et qui dit au Seigneur d'habiter dans son cœur, celui-là peut comprendre la volonté de Dieu. Sommes-nous prêts à lui ouvrir notre cœur, chers amis? Et lui dire, voici ma vie devant toi. Je souhaiterais que tu entres dans mon cœur. Que tu puisses corriger ce qui n'est pas correct, qui n'est pas convenable. Parce que je voudrais que tu habites dans mon cœur jusqu'à ma fin. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous dire à son sujet? Nous allons lire dans Ésaïe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu est en train de nous assurer que toutes les choses que Dieu a créées peuvent passer, mais la parole de Dieu résistera. Cette génération peut passer. Une autre génération nouvelle va se lever. On continuera à étudier la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est le maître de ces paroles qui nous assure de cela. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et nous disons, Seigneur, amen. Parce que ta parole est éternelle. Nous qui sommes les chrétiens de cette époque, nous avons compris l'histoire de cette parole qu'on appelle la Bible. Nous allons parler de cette époque de réforme. Qu'est-ce que s'est-il passé pendant cette époque de réforme? L'époque où les choses ont été transformées. Il y a des prêtres catholiques qui voulaient traduire la Bible en plusieurs langues de façon à ce que tous puissent comprendre. Et lorsque l'administration a vu cela, donc ces personnes-là ont été accusées. Ils ont été chassés hors de leur diocèse. Et des milliers de Bibles ont été brûlées par le feu à cette époque. Chers amis, ce sont des vérités qui ont été vécues par le passé. Calvin et Luther ont été chassés, radiés de l'Église catholique. Ils ont commencé à monter d'autres confessions religieuses. Et vous savez, savez-vous quelle est la religion qu'ils ont établie à ce moment-là? C'est la religion protestante. Les protestants ce soir. C'est
c'est le début, c'est le commencement de votre histoire à cette époque. Vous comprenez également ce que veut dire protestant. Cela veut dire protester. Protester contre quoi? Protester contre des enseignements qui ne correspondent pas à ce que vous avez. Voilà la vérité, chers amis. Comme je vous disais tout à l'heure, ne disons pas amen à tous les enseignements qui nous sont dispensés. Nous ne savons pas combien de milliers de religions existent sur cette planète. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Mais même s'il y a une seule Bible, pourquoi tant de religions? En réalité, une Bible s'égale à une seule religion. Dieu a protégé sa parole. Quels que soient les moyens que l'homme utilise pour justement amoindrir cette parole, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole subsistera. Nous remercions tous ces missionnaires qui ont quitté l'Angleterre pour venir jusqu'à nous pour apporter l'Évangile. Et à travers cet Évangile de vérité, la vie des Polynésiens a été transformée. Nos ancêtres ont découvert à ce moment-là qui est le Dieu de la vérité. Et nous savons aujourd'hui comment adorer ce Dieu de vérité. Pourquoi cette parole a été appelée la Bible? Il est important pour nous de le connaître. Bible vient du grec Biblia. Biblia en grec veut dire bibliothèque. Vous avons compris? Bibliya, Bible, putawaida ano de maputa. C'est la bibliothèque. Dans nos maisons, nous pouvons bâtir une bibliothèque pour ranger tous les livres que nous voulons lire. Et à côté de ce qui est de la Bible, on dira également cette Bible, la parole de Dieu. Ou alors les saintes écritures. Parce que ce sont les saints qui ont écrit des paroles d'un Dieu saint. La parole de Dieu a été écrite au début, 2500 ans après la création. Et la Bible a été écrite en 1500 années. La parole de Dieu a été écrite par 40 personnes que Dieu a inspirées. Malheureusement, chers amis, il y a d'autres enseignements aujourd'hui. La parole de Dieu n'a pas été complètement achevée. On a écrit d'autres livres pour compléter et terminer ce qui a déjà été écrit. Et demain soir, Dieu va nous révéler cette erreur commise par l'homme. Il y a deux parties dans la Bible que nous connaissons et que nous pouvons appeler communément l'Ancien Testament. Deuxièmement, le Nouveau Testament. Combien y a-t-il de livres dans l'Ancien Testament?
Vous n'avez pas essayé de lire? Quand est-ce que vous avez commencé à lire? Ere me papu ro te pahono raya. I roto i te fafu a teito e toru ahuru mai wa putai papahi e te mo profeta. Il y a 39 livres qui ont été écrits dans l'Ancien Testament. E roto i te fafu a pia fia puta. Et dans le Nouveau. E piti ahuru mahi tu putai papahi e te mo ap o te toru te vai ne roto i te fafu a. 27 livres ont été écrits par les apôtres. Hamata te fafu a teito mai te hia puta. L'Ancien Testament commence par quoi? Fauti te hia puta. La Genèse est finie par quel livre? Marati. Malachi. Et le Nouveau Testament commence par Matthieu et termine par l'Apocalypse. Et Lucie avait raison de dire qu'en Matthieu, il y a une Bible dans chacune des maisons. Parce que vous répondez correctement. Parce que la parole de Dieu est étudiée. Combien a-t-il de chapitres depuis le début du livre jusqu'à la fin du livre de la Bible? À ce moment-là, on est en difficulté. Nous vous donnons la réponse. Alors, 1189. La Bible a été écrite en combien de langues? Écrit en trois langues. Donc l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et nous avons compris cela. Si c'est ce soir que vous découvrez l'organisation de la Bible, alors vous pouvez interroger les autres en leur disant, vous savez comment s'organise la Bible? Nous étions tous ignorants autrefois. Moi-même qui suis devant vous, je ne connaissais rien de la Bible. Mais le psalmiste dit, c'est dans la lecture de la parole de Dieu que tu obtiens la sagesse. Et tu auras la science. Celui qui est ignorant aura la science. Tu veux étudier la parole de Dieu. Demande au pasteur unique pour vous aider. Et qui est ce pasteur-là? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les serviteurs de Dieu pour écrire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est tout à fait disposé à vous aider pour comprendre ce que Dieu désire pour nous. Mais tu peux pas y aller. Si vous deviez laisser un des testaments, des deux testaments qui vous a été laissé, quel est le testament que vous avez laissé de côté en disant celui-là n'est pas tellement important, celui-là est plus important? Quelle est la réponse? Tout est bon, allez-vous nous dire. Parce que c'est la parole de Dieu. Et est-ce que vous savez pourquoi certains disent que l'Ancien Testament, c'est obsolète? Parce que dans l'Ancien Testament, il avait été révélé les 10 commandements de Dieu pour nous dire, voilà ce qu'il faut délaisser dans notre vie. Et lorsque les gens voient ces commandements de Dieu, ils pensent que Dieu les met en difficulté dans leur liberté. Chers amis, Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 24, La loi est devenue un pédagogue pour diriger l'homme vers Jésus-Christ, pour être libéré.
Ta foi est vaine devant Dieu si tu n'observes pas les commandements. Dieu a donné sa loi à l'humanité pour les rendre heureux et pour les préparer à entrer dans son royaume. On parle de quelqu'un qui est un auteur renommé. Walter Scott. Voici son nom, Walter Scott. Lorsqu'il est arrivé à un certain âge, il se rend compte qu'il va bientôt mourir. Alors, il a appelé son gendre. Alors il lui a dit, j'aimerais bien qu'on me lise quelque chose avant que je ne meure. Alors le gendre lui pose la question. Et quel livre voudrais-tu que je te lise et dans quel livre? Qu'a-t-il répondu? Lis-moi quelque chose qui a été écrit dans la Bible. Tandis que j'entre dans le séjour des morts, c'est à ce moment-là qu'on pense à un livre appelé la Bible. Et pendant toute sa vie, il a écrit plusieurs milliers de livres. Mais dans ses écrits, il n'y avait aucune part, un élément de la Bible, chers amis. Nous ne pouvons pas écarter Dieu dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Après, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, à ce moment-là, on pense qu'un Dieu existe. J'ai eu l'occasion de répéter ce genre de choses. Ne faisons pas de Dieu une roue de secours qu'on a rangée à l'arrière de notre voiture. J'ai acheté une nouvelle voiture. Je n'ai pas encore été voir quel est l'état du pneu de secours. Quand est-ce que je vais aller voir si ce pneu de secours est bien? C'est quand il y a un pneu qui est crevé. Vous avez compris, chers amis? C'est comme cela que nous considérons notre Dieu. Tandis que la vie roule bien, tandis que nous réussissons, que nous bénéficions de plein de choses, Dieu n'existe plus. Quand le problème arrive, c'est là qu'on retourne vers Dieu. Alors, ne prenons pas l'exemple de cet auteur, de cet écrivain. Je vous encourage à lire la parole de Dieu. Vous lisez beaucoup Tikimag. Quel enseignement allez-vous recevoir de ce Tikimag? Aucun enseignement. Parce que ce que Tikimag va vous enseigner, c'est ce que vous vivez. Mais étudiez la Bible parce que la Bible va vous révéler ce que vous ne savez pas encore. Si vous voulez donner du temps à la lecture, lisez la parole de Dieu. Alors un homme m'a dit un jour, pasteur, je suis surpris. Je suis vraiment étonné. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Tu sais, tous les soirs, lorsque je lis la parole de Dieu, la Bible, je ne termine pas le chapitre, voilà que je dors. Alors je lui dis, la Bible devient un somnifère pour toi. Alors si vous lisez un chapitre de la Bible le soir avant de vous endormir, la Bible vous endort-elle? Voilà comment nous sommes. Vous savez quelle est la meilleure heure pour nous pour lire la parole de Dieu? À 4h, de 4h à 5h du matin.
À ce moment-là, vous êtes tout seul. Il n'y a plus de bruit autour de vous. Vous êtes tout seul avec l'Esprit de Dieu. Et vous parlez à Dieu en lisant la parole de Dieu. Je compare la Bible à une lettre écrite par une jeune fille à un garçon qu'il adore, qu'il aime. Cette jeune fille est partie. Et elle a écrit une lettre à son amoureux. Lorsque le facteur dépose ce courrier-là dans les mains de ce garçon, que ce garçon reconnaisse que c'est ici la lettre que son amoureuse a lui a écrite. Combien de mois alors plus tard il va découvrir cette lettre? Combien de mois? 6 mois? Non. Mais tu peux être dans les tables de votre table. S'il est parmi des personnes, tout ce qu'il va sentir, alors il va aller dans un coin tout seul. Il va vite déchirer l'enveloppe et lire ce que son amoureuse a lui a dit. Il en a de même pour la parole de Dieu. Notre Dieu nous aime. N'attendons pas 10 ans plus tard pour ouvrir enfin la lettre que notre Créateur nous a écrite. N'est-ce pas? Est-ce que nous aimons Dieu? C'est pas si facile pour répondre. Mais Dieu désire que nous l'aimions. Parce qu'il nous a aimés le premier selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle l'histoire de quelqu'un qui est né dans ce monde. Oui, oui. Tatato Emmanuel. Ce que nous appelons Emmanuel. Oui, oui, et tout métier. C'est-à-dire Jésus-Christ. Batamai oyeratoyteya. Il est arrivé dans ce monde. Barawaitohi paidotoyteya. Il a œuvré dans ce monde. Et wa paraitana mopipie oyawehoi fahomaya. Il a dit à ses disciples, je m'en vais, je reviendrai. Et tetia inaitatoyta wahoidamai nona. Et nous attendons ce retour de Jésus. Oyoi fahomaya yetuya mahoher. Il reviendra, chers amis. Que nous le croyons ou pas. Je ne sais pas combien de fois la sirène a retenti chez vous pour vous dire, voici un tsunami qui arrive. Alors là où nous habitons à Papeete'oe, la sirène n'est pas loin de notre maison. Alors, très tôt de bonheur, nous avons entendu cette sirène. Maman, nous allons prendre la voiture, nous allons sur la montagne. Et nous en sommes partis en montagne. Alors, nous avons entendu les nouvelles et il n'y avait pas de tsunami. On est revenu à la maison. Pas longtemps après, on a entendu la sirène. La maman lui a dit, est-ce que vous allez retourner? Alors je lui ai dit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que là, on ne va pas répondre et la belle va arriver. Et nous sommes montés et nous sommes restés. Okay. Que pensent les gens aujourd'hui? T'es pour? Mais tu peux être taille à haute, On peut penser que la sirène peut toujours retentir, on bougera plus. Sur les messages d'avertissement de Dieu, nous ne pouvons pas nous amuser. La parole de Dieu confirme que Jésus revient bientôt. Que tu crois ou ne crois pas. Jésus reviendra au moment où Dieu va décider de dire à Jésus d'aller chercher son peuple qui est sauvé. Lorsque Jésus va revenir chez nous, es-tu prêt à l'accueillir?
Est-ce que tu vis aujourd'hui dans l'attente de la réalisation de cette promesse? Nous parlons de Jésus. Jésus est le centre même de toutes les paroles qui ont été écrites. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus qui est né. Jésus qui est monté au ciel. Jésus qui nous a promis qu'il partait, qu'il allait revenir. Il reviendra parce que ça a été écrit. Parce que c'est là la volonté, le projet de Dieu pour l'humanité. Sortir ou enlever l'homme du mal. Pour le transporter vers un monde où il n'y a que du bien. Est-ce que Jésus est aussi devenu le centre de notre vie? Nous ne pouvons pas parler de Jésus si nous ne le connaissons pas. Dans notre vie avec mon épouse, il y a des moments où nos cœurs sont attristés. Alors, je ne vais pas lui révéler ce qui m'attriste. Et je vais dans ma chambre au milieu de la nuit. Et je lui dis, Jésus, voilà comment je suis, dans quel état je suis maintenant. Que peux-tu faire pour moi aujourd'hui? Dieu ne va pas colporter vos problèmes à d'autres personnes. Jésus n'est pas celui qui va colporter des choses qui lui ont été dites, racontées. Mais il est celui qui va chercher tous les moyens pour nous sortir d'affaires. Vous avez un problème aujourd'hui. Tu es triste aujourd'hui. Va vers Jésus. Venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Alors nous irons vers Jésus puisqu'il nous appelle. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun par lequel nous devions être sauvés, ce n'est le nom de qui? Nous devons aimer. Nous devons aimer Jésus. Parce qu'en lui, nous pouvons trouver toutes les réponses à nos problèmes. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec et d'autres nationalités. La parole de Dieu est une parole vivante parce qu'il y a une puissance en elle pour transformer ta vie, pour faire de toi un citoyen du ciel. C'est la raison pour laquelle Jésus a été envoyé pour montrer à l'humanité le chemin à suivre, pour montrer la vérité, pour montrer également qu'est-ce que c'est. Et c'est en Jésus seul que nous pouvons trouver ces choses. Nous cherchons la vérité. Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce que je suis adventiste, alors je vais déclarer que j'ai la vérité. Et si je pose la question aux protestants ce soir, est-ce que tu crois que la vérité est dans votre église? Que va répondre cette personne à cette question? Mais oui, nous avons la vérité. J'ai posé la même question à un catholique. Il répondra oui.
J'ai la vérité. Et oui, mais auto imato tate minite manaido. Vous allez nous poser la question. Nous et par auto auto mato ete mato urata para ma. Nous allons vous répondre. Nous avons la vérité. Et hat para ma. Mais quelle est la vérité? Yohane pene hodu mahitu ido hodu mahitu. Jean 17 verset 10. Et ha maite o ira toito para ma. To para ma na hoite para ma e aita. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole. Est la vérité. La vérité, chers amis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nos ancêtres sont protestants. Ou alors nos ancêtres sont adventistes. Que nous allons suivre la religion en disant c'est la vérité. Le nom de la religion ne constitue pas la vérité, Jésus. Mais la vérité, c'est de faire la volonté de la parole de Dieu. Et dans cette dernière prière de Jésus-Christ avant de quitter ce monde, Jésus dit sanctifie-les par ta vérité car ta parole. Pendant ces trois semaines que nous allons vivre ensemble, nous allons parler de cette vérité. Et c'est cette vérité qui va juger notre foi pour savoir dans quelle situation nous sommes. Jésus dit, je suis le chemin. Et quoi? Et la vérité. Et quoi encore? Et la vie. Et nous avons trouvé la réponse. N'allons pas à côté de la réponse, plongeons directement dans la réponse. C'est une pensée que je voudrais vous laisser, chers amis. N'êtes pas fiers? Nous connaissons la passe de Papete. Il y a à la pointe de Tipperary deux balises vertes, des lumières vertes. Mais faites rien, mais mettez rien. Ça a été mesuré. Il y a des gens qui ont fait un peu de temps pour nous faire un pour que le bateau puisse entrer directement et rentrer dans la rade. Et pour autant, tu es, et pour un mot, tu es non mourir à l'aurore. Nous allons dire que ces deux lumières viennent aligner, veulent dire la vérité au capitaine de bateau pour entrer dans la rade sans accident. Que pensez-vous si à un moment, les jeunes vont se dire, ben, on va mettre une balise 5 mètres plus loin. On peut toujours le déplacer, n'est-ce pas? Et on a donc déplacé de 5 mètres. Alors, lorsque nos bateaux taporo viennent de Raromatai, qu'est-ce que le capitaine va regarder d'abord? Où se trouvent ces deux lumières? Lorsqu'ils vont voir que c'est... Alors, le barreur va dire, enfin, celui qui a la barre va dire, ben, il faudra nous aligner par rapport à la lumière. Qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous de ce capitaine qui va prendre la direction indiquée par cette... Où le bateau va-t-il aller? Il va aller donc échouer sur le récit. Parce que la vérité a été modifiée. Il y a 2000 religions sur cette terre aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu a été modifiée. Ceux qui ont interprété la Bible ont voulu le faire selon leur propre désir, mais pas selon ce que la parole de Dieu a indiqué. Et nous avons donc le problème. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Quelle est l'annonce de notre Dieu au sujet de sa parole? Nous allons lire sur l'écran ce que Dieu a donné à Amos à écrire. Et donc Amos dit ceci. Voici ce que l'Éternel Dieu dit.
Voici viendra le temps où je mettrai la famine sur la terre. Non pas la disette sur le plan matériel, ou alors la soif de l'eau. Mais l'écoute de la parole de Dieu. Certains vont courir d'un océan à un autre. Du nord jusqu'au lever du soleil. Ils iront et ils viendront. Ils chercheront la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu dit à Amos à la fin du verset? Ils ne verront plus cette parole. Et cette époque-là, c'est devant nous, très proche. Ces rassemblements-là n'auront plus lieu comme nous faisons ce soir. Il n'y a plus d'intérêt à aller à l'église pour écouter quelle parole. Voici une annonce triste que Dieu nous fait ce soir. Mon cher ami. Qui es-tu ce soir et que seras-tu lorsque ce jour arrivera? Ne chercheras-tu pas non plus cette parole parce que tu l'avais entendue mais tu n'as fait aucun cas? Dieu s'adresse à toi directement. Dieu ne se révélera plus lorsque cette époque-là arrivera. Nous sommes ce soir devant la parole de Dieu. Donc tout dépend de notre façon de vivre aujourd'hui. Lorsque ce temps de disette de la parole de Dieu arrivera, vous n'aurez aucun problème parce que vous êtes rempli de cette parole. Que Dieu vous aide abondamment. Dieu nous aide. Et il y a un seul moyen pour Dieu, pour nous prouver son amour. Par sa parole. Tu veux connaître l'amour de Dieu? Lis ta Bible à la maison. Que Dieu nous bénisse ce soir, chers amis. Que ces séries de causeries nous aident à grandir spirituellement. Que nous puissions savoir d'où nous venons et vers où nous allons. Et où Dieu veut-il nous emmener? Et donc ces enseignements, nous les trouverons dans sa parole. Que Dieu vous bénisse après avoir entendu la parole de Dieu ce soir. Merci beaucoup.